Good morning to everyone. A warm welcome to you all on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights. This morning's hearing will look at access to justice for victims of the Jean-Claude Duvalier regime in Haiti. The Commission wants to warmly welcome the organizations that have requested this petition, and we look forward to you introducing yourselves to us and the organizations. And we, of course, wish to especially warmly welcome former Commissioner of the Inter-American Commission, Exumé, and to say how pleased we are to have you with us this morning again. Ambassador Bushi, we welcome the state of Haiti and your representatives here today. And we look forward to the opportunity we'll have both to receive information from the petitioners as well as to hear the response of Haiti. This morning I have with me the country rapporteur for Haiti as well as the first vice president of the commission, Commissioner Rosemarie Antoine. I also have with me the former president of the commission, Commissioner Orozco. We are joined now by the deputy executive secretary, Elizabeth Abbey-Merched, as well as the staff of the secretariat of the commission, and in due course by Commissioner Paolo Vannucchi. Can I invite the petitioners to introduce yourselves and to make your presentation to us. Thank you very much. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente de la Commission. Merci aux représentants de l'État. Toutes nos salutations. Mon nom est Pascal Paradis. Je suis le directeur général d'Avocats sans frontières Canada. Je suis accompagné aujourd'hui à ma gauche par Madame Danielle Magloire, qui est sociologue, défenseur des droits humains, fondatrice et coordonnatrice du collectif contre l'impunité en Haïti. Immédiatement à sa droite, Mme Michèle Montas, journaliste, veuve du journaliste Jean-Dominique, ancienne porte-parole du secrétaire général. Could you stop for one second? We just want to resolve translation. We're getting translation to Spanish. Okay. Okay. Can we just check? Oh, English. Okay, perfect. We're good now. Thank you. Yes, we're good. We're good. Thanks, David. Sorry for that. Donc, j'étais en train d'introduire, j'étais en train de vous présenter Madame Michèle Montas, qui est journaliste, veuve du journaliste haïtien Jean-Dominique, ancienne porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, plaignante dans le dossier du Valier, fondatrice également du collectif contre l'impunité en Haïti. À ma gauche, Maître Jean-Joseph Exumé, ancien ministre de la Justice d'Haïti, comme vous le mentionnez, ancien membre de la Commission interaméricaine et avocat du collectif contre l'impunité. À ma droite, Maître Philippe Tremblay, directeur des affaires juridiques chez Avocats sans frontières Canada. Immédiatement après le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti, le 16 janvier 2011, des victimes ont décidé de porter plainte contre l'ancien dictateur pour des crimes et des violations des droits humains commis sous son régime. Cinq organisations de la société civile haïtienne se sont immédiatement jointes à ces personnes et ont créé ensemble le collectif contre l'impunité. Avocats sans frontières a le privilège depuis 3 ans d'être le partenaire du collectif contre l'impunité et de lui procurer un accompagnement juridique et technique aux fins de ce dossier contre Jean-Claude Duvalier. Le 28 mars 2011, le collectif contre l'impunité était ici, devant cette commission, donc il y a exactement 3 ans aujourd'hui, pour vous parler de l'importance de ce dossier. Ce n'est pas un dossier ordinaire, loin de là, c'est un dossier emblématique. Il est capital pour la justice haïtienne, pour la lutte contre l'impunité en Haïti. Et il ne concerne pas seulement le passé, il concerne l'avenir du pays. Que s'est-il passé depuis cette audience de la commission le 28 mars 2011? Nous allons vous en parler aujourd'hui, mais disons en quelques mots qu'au terme d'une enquête bâclée, un juge d'instruction a d'abord déclaré que Jean-Claude Duvalier
pouvait être poursuivi pour crimes économiques, mais ne pouvait pas être poursuivi pour des crimes contre des personnes, violation des droits humains. Le collectif a évidemment appelé de cette décision et le 20 février 2014, donc tout récemment, la Cour d'appel de Port-au-Prince a rendu une décision rien de moins qu'historique dans ce dossier. Elle a décidé que Jean-Claude Duvalier pourrait faire l'objet d'un procès non seulement pour crimes économiques, mais également pour violation des droits humains qui équivalent à des crimes contre l'humanité. La Cour a aussi déclaré que ces crimes étaient imprescriptibles. La Cour a donc ordonné une réouverture de l'enquête contre Jean-Claude Duvalier. Il y a tout lieu de se réjouir de cette décision extrêmement importante. Cependant, nous sommes ici aujourd'hui pour vous faire état de vives préoccupations quant à la satisfaction par l'État haïtien de son obligation d'enquêter, de faire justice dans le dossier de Jean-Claude Duvalier. Des préoccupations qui concernent donc l'accès à la justice des victimes de son régime. Sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Maître Exumé. Merci. Je voudrais brièvement vous donner, à vous de la Commission interaméricaine, l'état vraiment du dossier actuellement, au point de vue légal. Je précise que le système d'instruction dont nous parlons est un système inquisitoire que nous avons hérité, dont nous avons hérité de la France, et ce système inquisitoire rend la procédure assez complexe, puisqu'il y a un juge d'instruction qui doit faire une investigation sur la base d'un réquisitoire d'informé que le ministère public, le parquet, lui envoie. Dans ce cas précis, le ministère public avait envoyé un réquisitoire au juge d'instruction demandant d'instruire contre Jean-Claude Duvalier et d'autres inculpés, d'autres personnes, pour crimes de droit commun, crimes contre l'humanité et également pour des crimes financiers. Donc, comme mon confrère Pascal vient de le dire, donc il y a eu une instruction menée très rapidement, de façon vraiment bâclée par le juge instructeur. Et c'est pourquoi il y a eu un appel exercé par l'inculpé lui-même d'abord et ensuite par nous de la partie civile, puisque dès le retour de Jean-Claude Duvalier, plusieurs personnes, 29 personnes, avaient porté plainte directement au parquet. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Il y a une décision qui a été rendue par la Cour d'appel sur le recours exercé. Et cette décision de la Cour d'appel est une décision extrêmement importante et parce qu'elle pose des principes qui n'étaient pas connus du tout dans le droit haïtien. Un premier principe, c'est que les crimes contre l'humanité, qui sont des crimes de droit commun, mais présenté dans une perspective, disons, générale, systématique, eh bien, ces crimes contre l'humanité, à partir de la décision de la Cour d'appel, font partie du droit interne haïtien, et surtout en raison des conventions et qui ont été ratifiées par Haïti et par application de l'article 276.2 de la Constitution, qui précise bien qu'une fois que Haïti ratifie dans les formes un accord ou bien une convention, automatiquement cet instrument international fait partie du droit interne et abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires. Mais ce qui est très important aussi, c'est que la Cour a déclaré que les actes qui sont reprochés à Jean-Claude Duvalier constituent des crimes contre l'humanité, par conséquent imprescriptibles. Et c'est pourquoi la Cour a cassé l'ordonnance du juge instructeur et demande, c'est très important pour que la Commission comprenne ça, il y a toute une série de demandes qui ont été faites par la Cour, savoir qu'il faut entendre tous les plaignants qui n'avaient pas été par le juge instructeur, convoquer, interroger tous les inculpés qui ont été identifiés par le parquet, et puis entendre à titre de témoin d'autres personnes éventuellement. Alors, comme je l'ai dit, cette décision est très importante parce qu'elle constitue manifestement une avancée
historique pour la lutte contre l'impunité et le renforcement du système de justice en Haïti. Et les motifs de cette décision posent les jalons d'une jurisprudence qui reconnaît l'application du droit international en Haïti, tant les règles issues des conventions internationales ratifiées par l'État que celles reconnues par la coutume internationale. Daniel. Concernant les préoccupations des membres du collectif et d'Avant-Car sans frontières Canada, je vais rapidement les énumérer. Mais d'entrée de jeu, il faudrait d'abord vraiment saluer l'effort qui a été fait par la Cour d'appel de Port-au-Prince en prenant cette décision, qui non seulement est une décision qui fait date dans l'histoire du droit en Haïti, et en même temps qui montre que des juges ont eu le courage d'assumer leurs responsabilités dans un dossier qui est quand même complexe. Et à cet égard, il convient de rappeler que la déclaration que la Commission avait faite le 17 mai 2011 a vraiment été une contribution extrêmement utile. Ça a permis d'éclairer les intervenants du droit en Haïti, y compris les magistrats. D'ailleurs, ils se sont beaucoup référés dans l'arrêt à ce qui avait été dit dans cette déclaration du 17 mai. Et cette déclaration également a été saluée par l'ensemble des défenseurs de droits humains qui s'impliquent dans le dossier, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger. Donc c'est une occasion pour nous, encore une fois, de remercier la Commission pour le travail qui avait été fait en ce sens. Il reste et demeure que malheureusement, les recommandations qui ont été formulées dans cette déclaration du 17 mai 2011 n'ont pas été suivies par le gouvernement haïtien. N'ont pas été suivies, c'est-à-dire, elles ont plutôt été ignorées parce que le gouvernement n'a pris aucune mesure en tant qu'État par rapport à ces recommandations. Mais comme je le dis, ça a été utile pour les personnes qui sont impliquées au niveau de la justice et dans le droit. Je rappelle qu'il s'agissait pour le gouvernement d'enquêter et de poursuivre et le cas échéant de condamner pour les crimes indexés. Cette attitude du gouvernement est une des choses qui nous vraiment préoccupe énormément. Le gouvernement non seulement ne s'est pas occupé de ses recommandations, mais surtout a une attitude qui montre une sympathie non cachée pour les duvalieristes, mais surtout la banalisation de ce qu'a été ce régime, donc ce qui met en porte-à-faux pour les personnes qui veulent poursuivre et aussi pour l'ensemble du système judiciaire qui doit faire les poursuites. Et au niveau des actes, il faut commencer par dire que l'ordonnance que Maître Exumé a signalée, qui a été prise au niveau de la première instance et qui a déclaré qu'il n'y avait pas matière de poursuivre Jean-Claude Duvalier pour crime contre l'humanité, et que les crimes, les détournements financiers n'étaient que de simples délits, hein, des petits larcins, le gouvernement n'a pas réagi à ça, il n'a pas contesté. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la partie civile seulement qui a contesté. Et Jean-Claude Duvalier, bien sûr, qui a contesté pour le fait qu'il était indexé. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où le gouvernement ne réagit pas aux actes judiciaires, il ne réagit pas à la décision de la Suisse de confisquer définitivement l'argent de Jean-Claude Duvalier, de le restituer à Haïti. Et surtout, le gouvernement ne donne pas l'appui et n'a pas fait appel aux structures internationales comme il avait été prévu pour donner l'assistance nécessaire. Et en ce sens, la décision de la Cour d'appel, pour importante qu'elle soit, elle reste fragile. Elle reste fragile à cause de l'insuffisance du cadre judiciaire, à cause surtout de l'absence de volonté politique. Et je crois que c'est le message essentiel qui est important de faire passer ici, c'est que sans volonté politique, il est difficile de mener un dossier aussi emblématique concernant une dictature qui a duré quand même 29 ans. Merci. Mesdames et messieurs les commissaires, je vais concentrer mon intervention sur l'exercice par les victimes de leur droit à un recours effectif
un droit qui est protégé par la Convention américaine des droits humains. Nous estimons, en effet, qu'en dépit de la décision de la Cour d'appel que nous avons saluée, que l'exercice de ce droit par les victimes demeure extrêmement précaire, qu'il est sérieusement compromis et qu'il faut donc demeurer vigilant. Nous avons évoqué un peu plus tôt une enquête bâclée de la part du juge d'instruction Carvez-Jean. Pourquoi estimons-nous que l'enquête a été bâclée? Parce que le juge d'instruction, à notre avis, n'a pas cherché à aller au fond des choses. Le juge d'instruction a rencontré certains des plaignants, pas tous. Il a rencontré, pour une très brève période, M. Jean-Claude Duvalier, mais n'a rencontré aucune des autres personnes qui étaient visées par les plaintes. Parce qu'il faut comprendre que cette affaire ne porte pas uniquement sur la seule personne de Jean-Claude Duvalier, mais également pour plusieurs de ses plus proches collaborateurs, des gens qui faisaient partie du cercle rapproché du régime qui était dirigé par Jean-Claude Duvalier. Et, à notre avis, compte tenu de la gravité des actes qui ont été reprochés à M. Duvalier et à ses acolytes, on parle d'actes de torture, de disparition forcée, on parle de détention arbitraire, à notre avis, la nature des allégations en soi aurait dû suffire pour convaincre les autorités compétentes de l'importance précisément de faire un travail soutenu et approfondi. Évidemment, un aspect de l'affaire qu'il faut, à notre avis, soulever, c'est l'attitude dont a fait preuve la représentante du ministère public pendant les audiences qui se sont tenues devant la Cour d'appel l'an dernier. En effet, cette attitude était, à notre avis, empreinte d'agressivité et d'hostilité envers les victimes. Et cette attitude donne à penser que le ministère public, en réalité, avalisait la thèse de la défense. En effet, loin de chercher à déterminer si les allégations qui ont été portées contre M. Duvalier et ses acolytes pouvaient soutenir des actes d'accusation, la représentante du ministère public s'est livrée à de véritables contre-interrogatoires à l'endroit des plaignants, en leur posant des questions tendancieuses qui visaient à démontrer qu'ils étaient, au moment des faits, des opposants politiques dont le seul objectif était de déstabiliser le régime de Jean-Claude Duvalier. Et ce faisant, la représentante du ministère public cherchait clairement à miner la crédibilité des plaignants aux yeux des juges. Donc, le défaut du juge d'instruction de faire son travail de manière rigoureuse, combiné à l'attitude du ministère public, a eu pour effet, en réalité, de faire reposer tout le poids de l'enquête sur la partie civile, ce qui est contraire aux obligations internationales de l'État haïtien. Et dans un contexte d'impunité généralisée comme celui qui prévaut en Haïti, il est fondamental, c'est bien entendu, que les victimes puissent prendre part à l'enquête et pallier, si cela est nécessaire, aux insuffisances du dossier qui a été constitué par le ministère public. Mais il n'est toutefois pas acceptable, à nos yeux, que la partie civile doive faire face non seulement à la défense, mais également aux autorités qui sont en charge des poursuites. En date d'aujourd'hui, aucun procès n'a encore permis d'examiner le fond de l'affaire. Vous savez, on en a parlé, que la Cour d'appel a ordonné un supplément d'instruction, mais la défense donc a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation. En principe, la loi haïtienne prévoit que la Cour de cassation dispose de 30 jours pour rendre sa décision, mais la pratique nous apprend que la Cour de cassation ne respecte que très rarement ce genre de délai. Et par ailleurs, le supplément d'instruction fera en sorte que ça prendra encore plus de temps avant que les plaignantes sachent véritablement si Jean-Claude Duvalier fera face à la justice pour les actes qui lui sont reprochés. Et le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de la réhabilitation dont M. Duvalier et ses proches acolytes font l'objet dans certains secteurs de la population et qui sont des éléments qui compliquent, à notre avis, singulièrement la collecte de la preuve. J'arrête. D'abord, bonjour aux membres de la commission. Bonjour, comme on dit chez nous, au nez. Qu'est-ce que nous demandons à la commission? Comme l'a souligné Daniel Magloire, les recommandations faites par la Commission en 2011 ont été ignorées par l'État haïtien, malgré les engagements pris dans cette salle il y a 3 ans par le représentant du ministère haïtien de la Justice. Les avancées sur le dossier Duvalier ont reposé essentiellement sur les épaules des victimes et des organisations de la société civile. Philippe Tremblay vient de le souligner.
Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la Commission exhorte de nouveau l'État haïtien à se conformer à ses obligations internationales en menant des enquêtes et des procédures judiciaires diligentes portant sur l'ensemble des crimes commis sous le régime Duvalier, sans entrave, sans interférence, dans des délais raisonnables. Que la Commission exhorte l'État haïtien à doter le pouvoir judiciaire des outils nécessaires pour mener ce dossier emblématique. Il s'agit de garanties d'indépendance, de mesures de sécurité renforcées et de ressources supplémentaires pour le système judiciaire, ressources supplémentaires pour le juge d'instruction chargé de poursuivre l'enquête. Que la Commission exhorte l'État haïtien en particulier à doter le juge chargé du complément d'instruction d'un statut et de ressources spéciaux afin de mener à bien une enquête d'une telle envergure. Autre demande, que la Commission exhorte l'État haïtien à accorder aux plaignantes et plaignants et aux témoins un traitement digne, professionnel et respectueux au cours des procédures judiciaires. Que la Commission exhorte l'État haïtien à mettre en place une commission indépendante vérité et justice, permettant de faire la lumière sur les mécanismes de la répression sous le régime Duvalier, père et fils, et contribuer ainsi à mettre un terme au cycle infernal d'impunité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Arriver à juger Duvalier devant les mêmes tribunaux qui ont été corrompus et affaiblis par 29 ans de dictature signifie d'abord revitaliser un système judiciaire qui a été jusqu'ici incapable de répondre aux exigences de justice de la population en forçant ce même système à fonctionner. Le collectif Et Avocats sans frontières Canada prie également la Commission de demander la collaboration d'États étrangers, plus particulièrement, évidemment, ceux du continent, pour accéder à des archives officielles relatives au régime Duvalier et qui pourraient servir de preuve. Arriver à juger Duvalier signifie contribuer de manière significative à mettre fin à l'impunité qui gangrène la société haïtienne et handicape tout développement durable. Cette lutte contre l'impunité est commune à toutes nos sociétés latino-américaines qui paient aujourd'hui le lourd tribut de dictatures passées. Arriver à juger Duvalier et ceux qui ont été ses complices, complices d'exécution, de disparition, d'arrestation, de détention illégale, de torture ou d'exil, signifie pour les victimes et pour l'ensemble de la société haïtienne la construction d'un état de droit pour qu'Haïti et les Haïtiens, forts de leur passé, puissent affronter leur histoire au lieu de continuer à en être les victimes. Merci. Thank you very much, petitioners, for the information which you have provided and the specific requests to us and the Haitian state. Ambassador, could I invite you to respond on behalf of Haiti? Merci, Madame la Présidente. Au nom du gouvernement haïtien, je voulais tout d'abord vous présenter nos plus vives félicitations pour votre élection à la tête de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et aussi nos salutations chaleureuses aux autres commissaires. Je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour saluer les pétitionnaires et des compatriotes et aussi d'autres amis d'Haïti. La délégation haïtienne a pris bonne note des différentes déclarations des pétitionnaires sur ce dossier emblématique qui existe actuellement dans le système judiciaire haïtien. Mais avant, je souhaiterais faire trois points en ce qui a trait aux déclarations des pétitionnaires, Madame la Présidente, et un premier point sur l'aspect de crime contre l'humanité que le juge d'instruction n'a pas jugé bon d'inculper l'ancien président Duvalier à ce niveau-là. Le gouvernement haïtien croit que, d'abord pour la justice haïtienne, d'établir cette notion
fait partie intégrante du droit positif haïtien. Avant de procéder à cet examen, c'est exactement ce qui est en train de se décider au niveau des instances haïtiennes compétentes, telles que la Cour d'appel. En effet, la Cour d'appel a récemment pris une décision pour qui, dorénavant, va être aussi emblématique dans l'histoire même juridique haïtienne. Le fait de décider qu'il y a moyen ou il y a raison d'inculper l'ancien président de crimes contre l'humanité. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi, Madame la Présidente, que du côté de la partie de la défense, ils ont fait un pourvoi en cassation. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Le gouvernement haïtien, respectueux des principes de l'État, de droit, ne souhaite pas intervenir ni dans un sens ni dans un autre dans cette affaire. Il souhaite laisser la justice haïtienne suivre son cours. Toute demande inopportune d'intervention constituerait non seulement une violation de ce principe, mais également des droits de M. Duvalier d'avoir un procès équitable. En ce qui a trait à certaines affinités du pouvoir ou du gouvernement qu'on a parlé avec M. Duvalier, la délégation souhaiterait tout simplement porter une petite précision, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les commissaires. Il pourrait être, et c'était dans le cadre, l'optique même d'une politique de réconciliation nationale autour d'événements et revêtant une importance particulière, je dirais, pour toute la nation haïtienne. Et le président avait pensé d'inviter tous les anciens présidents, tous les anciens chefs d'État vivant en Haïti. C'était dans cette optique qu'il l'avait fait, mais sans vouloir interférer dans le processus judiciaire en cours. Certes, nous avons pris, comme j'avais dit tantôt, nous avons pris bonne note des recommandations et aussi des demandes des pétitionnaires qui vont être absolument transmises aux autorités compétentes en Haïti. Et nous souhaitons que, pour ne pas dire bientôt, ou le plus vite que possible, les autorités haïtiennes, les autorités compétentes, vont pouvoir mettre en application certaines recommandations de la Commission et aussi toutes les décisions nécessaires qui doivent être prises. Je peux vous assurer que ces décisions seront prises. Mais pour le moment, comme représentant de l'État haïtien, serait de très bon augure de laisser la justice haïtienne faire son cours et de ne pas s'immiscer dans le processus. C'est tout ce que je pourrais dire pour le moment, Madame la Présidente. Et je vous redis encore que nous avons pris bonne note des différentes déclarations des pétitionnaires. Merci. Thank you very much. I wanted to begin by offering the contre-rapporteur and first vice president an opportunity to offer her comments at this time, Commissioner Antoine. Good morning to all of you. I am also very happy to welcome both parties here to the Commission and thank you both for coming. This is a matter of great public importance, not only to the illustrious state of Haiti, of course, but also for the CARICOM region of which Haiti is a part, and I'm proud myself to be a part.
and to the entire international community. I think that goes without question. And there can be fewer matters which are of more importance to this commission and to the international human rights regime than the rule of law. And that's what I think we are talking about here. This core concept of human rights and even to our very democracies, the rule of law. And so therefore, I think it is essential, and perhaps we are all agreed on this, that those who are alleged to have committed crimes, and more particularly crimes that have a serious impact on their countries, but also that have impacted the international community as this one, be adequately harnessed before the courts. And the concept of crimes against humanity, which now the state of Haiti, the Court of Appeal, has pronounced upon and declared to be part of domestic law, which we applaud, is a linchpin of this notion of international accountability. So I want to applaud, first of all, the state of Haiti, because I think it is important to note in this hearing that this state was born out of a struggle for justice and human rights, the state of Haiti, and equality. And I think we must applaud the state as a whole for its demonstration, in this case, through the Court of Appeal, for a commitment to accountability and the rule of law. I think that should be noted. But we are keen at the commission to see the follow-through of the case. So that is what's going to be important for us, the follow through for what is really an emblematic case, and to see that our recommendations are implemented as the state has now assured us that it will be, and future recommendations that we may have, because I suspect that we will have future recommendations. So in a very tangible way, we are concerned about adequate access to justice, to be able to proceed effectively, in particular access to documents, testimony of witnesses. And I wanted to remind the commission, and I obtained a background document before this hearing, that the commission has already pronounced on this issue in its 1998 annual report. So if you'd allow me to just read quickly. In the 1998 annual report at recommendation number 20, recommendation on access to government files and documents, the administration of swift and effective justice, especially in exposing, sanctioning, and providing remedy for atrocities or grave violations of human rights by state agents of the state, often requires reference to documents that have been classified as secret or inaccessible for reasons of national security. It goes on, but the last line, such legal and administrative obstacles must be removed. Reprehensible conduct with all of the legal and moral consequences it entails by opening the archives and declassifying documents requested by appropriate national as well as international authorities. I wanted to thank the Rapporteurship of Haiti, the staff attorneys, for making this available to me. I thought it's very important to reiterate this. So there's a duty placed on the state, but also we noted that it's not just the state of Haiti, but all other states that have documents which may be of interest and value to this case. A very significant element of due process, procedural justice, would be obtaining these documents and witness testimonies. And I agree with the state that it should not interfere, and we are by no means advocating that there be judicial interference, but there are some appropriate actions that the executive needs to take in any matter. And so we urge the state to do this, to actively assist the prosecution and in identifying documents, all of the elements of procedural justice, identifying documents, obtaining documents and witness statements. I would also like to ask that we have information as to the actual procedures which the state has put in place to make this possible, information as to the persons responsible for accessing these documents and witness statements, what timelines are available in terms of obtaining these documents and statements, what penalties are there for breach of persons who may not do what they are supposed to do in terms of these this information. And
if appropriate, and it may well be appropriate, protection of witnesses who may have to come before the commission. So I welcome the statement of cooperation of the state, and we hope to be able to monitor this matter effectively. So once again, thank you. Commissioner Orozco. Sí, gracias, Presidenta. También unirme al agradecimiento a las distinguidas y los distinguidos peticionarios por su presentación. Es un honor tener entre nosotros al excomisionado Jean-Joseph Exum. E igualmente agradezco al Estado su, a través de su delegación su participación y como ya lo precisó también la relatora, es claro que también la comisión ha expresado su bienvenida y su reconocimiento al Estado de Haití por la importante decisión de la Corte de Apelaciones en cuanto a investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se pudieron dar durante el régimen de Duvalier como mecanismo y condición indispensable para erradicar cualquier vestigio de impunidad y reparar a las víctimas. Y yo me permitiría solicitar a ambas partes si nos pudieran brindar información sobre la existencia o no de medidas específicas de protección que estuviese ofreciendo el Estado a juezas, jueces, fiscales involucrados en el proceso que se está siguiendo y si se ha tenido conocimiento de amenazas u hostigamientos a operadoras u operadores de justicia involucrados. Igualmente, con independencia de lo que pudiera ser el resultado del proceso penal, consultaría si habrían mecanismos de reparación para las víctimas de crímenes durante el régimen de Duvalier y qué tipo de reparaciones. Ya sé que tuviesen información en este momento o en su oportunidad nos la pudieran brindar. Muchas gracias. Thank you very much, Commissioner Orozco. I also wanted to welcome the recent decision of the Court of Appeals in Port-au-Prince. But wanted to ask the state, and I think this was a query made by the petitioners, about resources for investigations and whether the state is in a position to indicate its commitment to ensuring that the resources which are required to properly and adequately investigate, investigate are available to the court. I also wanted in the from the petitioners to hear your sense of what next. What are the next stages in your mind? And you've mentioned where you think the state should be particularly attentive, but I was interested in your sense of the next steps following the Court of Appeal decision. And also the state's view of the timelines. We were joined by Commissioner Paolo Vannucchi, and I wanted to give him also an opportunity to offer comments or questions. Gracias, Comisionada Presidenta. También agradezco las importantes informaciones que han brindado a esta comisión. También las informaciones añadidas por la representación del Estado. Mis saludos por esa importante decisión de Corte de Apelación el mes pasado, que me parece, si me permiten un juguete con las palabras, una nueva o un nuevo overture dans l'histoire du peuple d'Haïti. Mi pregunta es acerca de cómo es acerca del tema dictadura Duvalier, padre y hijo,
la necesidad de justicia, reparación, políticas de no repetición y investigación de todo lo que se pasó, ¿cómo es la cuestión en la sociedad, en el pueblo? ¿Cómo trabajan los medios de comunicación? ¿Si notician, si no notician las radios, TVs, periódicos? ¿Si notician, cómo lo hacen? ¿Se lo hacen con empeño de que se dé el paso necesario o si los medios prefieren que se olvide todo ese pasado para seguir adelante? Es un asunto de alto interés. Gracias. Can I give the petitioners a few minutes to respond? Please go ahead. Okay. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voulais dire un simple mot sur cette question de l'interférence non souhaitée du gouvernement que l'État haïtien a présentée. Il faut bien comprendre que quand on parle de la responsabilité de l'État, l'État c'est un tout. Il ne faut pas croire que le pouvoir exécutif a une action à faire et s'il y a une décision de justice, dit « bon, je ne veux pas interférer parce que je n'ai pas le droit d'interférer ». Mais moi, je dis le contraire. Vous êtes obligé, l'État est obligé d'interférer, pas dans le sens négatif du terme, mais il est obligé de donner les moyens, de créer les conditions pour que la justice puisse être rendue. Ce n'est pas seulement une question de rester à se croiser les bras, dire que vous savez, bon, moi, je n'interviens pas. Je pense que dans le cas du Valier, et c'est une obligation encore plus importante de l'État, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un régime dictatorial qui a donc posé des dégâts, des dommages irréparables à des milliers de personnes. Donc c'est ce que je veux clarifier. Au niveau de la commission est bien imbue de cela. Il ne s'agit pas de façon un peu hypocrite, entre guillemets, de dire que je n'interfère pas. J'ajouterais qu'il y a un principe régalien, c'est que s'il existe un gouvernement, le gouvernement a un rôle, c'est d'administrer la justice. Administrer la justice, ça veut dire s'assurer que les magistrats font leur travail correctement, qu'ils disposent des cadres nécessaires, des outils, des ressources nécessaires. Interférer dans le sens que le gouvernement, représentant des autorités haïtiennes entendent, c'est dans le sens d'orienter la décision. Non, nous ne demandons pas ça. Nous souhaitons justement que Jean-Claude Duvalier puisse avoir un procès équitable, de telle sorte que ça révolutionne le système de justice haïtienne, de telle sorte que vraiment, on montre comment, en travaillant, on peut établir les faits et permettre vraiment, comme l'a dit ma collègue Michèle Montas, que le pays fasse sa thérapie par rapport au traumatisme de 29 ans de dictature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez posé des questions concernant des menaces, des intimidations. Régulièrement, lorsque nous comme société civile organisée, lorsque nous nous rendons au tribunal, nous sommes systématiquement agressés par les partisans de M. Duvalier et ses avocats également. Okay? Et sur les zones des médias, ses avocats vraiment un langage aussi bien insultant pour la partie civile que pour les magistrats. Et sans qu'il y ait jamais de rappel à l'ordre. Nous n'avons jamais, jusqu'à présent, à date, entendu ni vu le ministre de la Justice rappeler à l'ordre ses avocats, sous prétexte de ne pas interférer. C'est très grave. De la même manière, comme on l'a signalé, l'attitude du ministère public, qui, loin de défendre les plaignants, abondait dans le sens de la défense pour nous expliquer que Jean-Claude Duvalier était, lui, la victime. Et les plaignants étaient, eux, ceux qui avaient tort, puisqu'ils contestaient le régime. Il reste et demeure qu'il y a certaines personnes, au niveau du tribunal, l'attention est palpable lorsque vous y allez. On n'a pas eu de personnes qui travaillent, qui acceptent de
témoigner publiquement par rapport aux pressions qu'elles reçoivent. Mais il faut bien comprendre le pourquoi aussi. Et le juge instructeur lui-même nous avait déclaré qu'il était sujet à des pressions. Il faut bien comprendre, lorsque le président de la République lui-même va visiter l'ex-dictateur, lorsque le président de la République lui-même déclare « je veux amnistier Jean-Claude Duvalier », lorsque le président de la République déclare « je veux le prendre comme conseiller dans mon cabinet », lorsque le président de la République prend le fils de Jean-Claude Duvalier, qui assume l'héritage de la dictature, est son conseiller politique, lorsqu'il continue, parce que ça s'est fait une fois, mais pas seulement dernièrement en 2014, le président invite régulièrement Jean-Claude Duvalier aux commémorations officielles. Il faut comprendre que ce contexte-là a un effet de pression indirecte sur les personnes, d'autant plus lorsqu'on regarde le fonctionnement des structures politiques en Haïti. Donc, je crois que c'est en ce sens qu'on peut répondre à votre question. La dernière chose concernant les médias, rapidement, je crois que le travail que nous avons fait depuis 3 ans et aussi comment nous avons vulgarisé votre déclaration du 17 mai 2011, ça a permis que, d'une manière générale, il y a une meilleure compréhension de la question des crimes contre l'humanité et de leur caractère inacceptable et imprescriptible. Donc, la question est très présente. Il y a des médias qui sont pro-duvalieristes, il y en a d'autres qui font leur travail, mais il reste demain qu'au niveau de la société civile, il y a tout un travail de devoir de mémoire, de commémoration, d'information, d'éducation qui est fait, ce qui fait qu'il y a des gens que, même quand ils ne portent pas plainte, témoigne de ce qui s'était passé sous la dictature. Moi, je voudrais parler d'un élément qui a été évoqué par le commissaire Antoine, c'est la possibilité d'avoir accès à des documents. En Haïti même, nous avons les documents de l'armée d'Haïti qui avaient été saisis en 1994 par l'armée américaine lorsqu'elle a rétabli, elle a aidé à rétablir le gouvernement constitutionnel en 1994. Ces documents existent, ils sont aux mains, ont été officiellement remis à l'État haïtien. Et ces documents, si nous avons accès à ces documents, nous permettent d'établir au moins la chaîne de commandement. Et je crois que Daniel a déjà répondu aux préoccupations du commissaire Vanucchi, donc je ne vais pas en parler. Pascal ? En quelques secondes, sur les questions des commissaires, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant pour faciliter l'accès à l'information ? Non. Est-ce qu'il y a des mesures de protection pour les opérateurs de la justice, les témoins? Non, aucune. Est-ce qu'il y a des ressources qui ont été particulières, qui ont été données aux opérateurs de la justice qui traitent le dossier jusqu'à maintenant? Non, aucune. C'est une décision dont il faut se réjouir et on s'en réjouit. Mais malheureusement, pour l'instant, elle est obtenue, on pourrait dire, quasiment malgré l'État haïtien. Et c'est pour ça qu'on demande à la Commission de réitérer son message. Les prochaines étapes? Pour nous, le pourvoi en cassation des avocats de M. Duvalier ne suspende pas l'enquête que la Cour d'appel demande de réouvrir. Alors pour nous, maintenant, c'est de constituer encore plus de preuves dans le dossier pour établir cette chaîne de commandement et la participation directe de Jean-Claude Duvalier et consorts aux crimes qui lui seront reprochés. Thank you very much, Ambassador Pouchi. An opportunity to respond. Merci, Madame la Présidente. En ce qui a trait, aux mesures de protection pour les opérateurs de justice ou les juges traitant le dossier, et bon, malheureusement, les pétitionnaires ont catégoriquement dit non, et il n'y a aucune mesure, mais la délégation haïtienne ne consent pas que cette réponse, je dirais, est beaucoup plus trop drastique même. Mais je pense qu'il y a eu des mesures de protection pour les juges et aussi des opérateurs et de justice ou des témoins. Probablement, elles ne sont pas des mesures, je dirais, et comme on souhaiterait avoir, c'est-à-dire des mesures totales. Et il faut en tenir compte aussi de la disponibilité des ressources et pour qu'on puisse et mettre ses ressources à la disponibilité de ses juges, à la disposition de ses juges ou de ses opérateurs.
Mais il y a quelque chose qui vient immédiatement en tête. Le fait seulement de voir que les juges à la cour d'appel, ils ont en toute liberté et analysé, apprécié et les différentes étapes de ce dossier. Et pour enfin et rendre une décision, et je dirais une décision en faveur même des victimes, c'est déjà quand même une preuve d'une certaine indépendance et d'une certaine garantie ou d'un sentiment de sécurité, quoi. Et je dirais que probablement, je ne vais pas dire qu'ils ont toutes les ressources nécessaires, mais ils ont des ressources à leur disposition. Ils ont pu exercer et ils continuent encore à exercer leur métier, ou du moins leur profession en toute liberté. Et mécanisme de réparation, je pense que je ne voudrais pas élaborer trop en ce sens. Et la délégation va faire un rapport en ce sens aux autorités compétentes. Probablement, ils pourront, et le gouvernement pourra très certainement faire une réponse par écrit et en étalant toutes les différentes étapes, ou du moins la disposition qui a été prise dans ce sens. Et bon, là, pour les ressources pour l'investigation, bon, comme j'ai déjà mentionné de cet aspect-là, je pense qu'il y a des ressources, probablement pas les ressources, toutes les ressources nécessaires, mais il y en a quand même des ressources qui habilitent les juges à faire leur travail. Et en ce qui a trait aux opérateurs et de justice, et ils ont protection quand même. Et probablement pas toute la protection nécessaire qu'il fallait. Mais jusqu'à présent, dans ce cas, on n'a rien entendu qu'aucun témoin a été persécuté ou a été victime de quelque chose que ce soit. Et pour finir, il y a une dernière intervention que je souhaiterais faire en ce qui a trait aux avocats de la défense, et qui, comme ont signalé les pétitionnaires qui ont été insultés, etc., par les avocats de la défense. Mais je dirais qu'il ne revient pas au gouvernement haïtien de rappeler à l'ordre les avocats de la défense. Et je pense que ça aurait été un rôle probablement joué par le barreau de Port-au-Prince qui assure la discipline et le bon comportement des avocats. Et en ce sens, je dirais que je terminerai mon intervention pour dire que nous avons pris bonne note des recommandations, des questions et des préoccupations. Et ces recommandations vont être transmises aux autorités compétentes. Et très certainement, la commission sera informée et de la différentes dispositions en cours. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much. The commission looks forward to your observations in writing as well, Ambassador. We'd welcome an opportunity to, if you transmit the discussions today and the communications we have forwarded to you from the petitioners, we welcome a response from the state. I think it's correct to say that access to justice in this case is going to depend on an independent judiciary, but it's equally going to depend on the commitments of the state to facilitating the investigations, adequately protecting the witnesses, the defenders, and ensuring that victims are treated in a dignified way. And we welcome the commitments you have already made on behalf of Haiti to respond to some of the specific concerns, and we welcome the follow-up in writing as well. If you have additional information for us, we also welcome receiving that in writing. Thanks to everyone.